La tête dans le seau, Manchester United a semblé complètement impuissant lors du derby perdu 0 but à 2 face à Manchester City ce samedi après-midi à Old Trafford. Du nombre de tirs cadrés contre leur camp au nombre de ballons touchés par CR7, plusieurs chiffres démontrent à quel point les Red Devils ont souffert face à leurs voisins. Manchester United a pris un nouveau coup sur la tête en perdant le derby à domicile face à City 0 but à 2. Pourtant, les Red Devils peuvent s'estimer heureux. La défaite aurait pu être encore plus lourde au vu de l'écart qui a séparé les deux équipes ce samedi après-midi. La preuve, elle est en chiffres. Une belle reprise de volée de Cristiano Ronaldo au cœur de la première période repoussée par Ederson et c'est tout. Outre cette tentative du Portugais, Manchester United n'a pas cadré le moindre tir ce samedi. À Old Trafford, City a trouvé le cadre à 5 reprises et le montant par 2 fois. D'ailleurs, Manchester United a accumulé plus de tirs vers son propre camp, involontairement bien sûr. Mais la déviation d'Eric Bailly sur un centre de Joao Cancelo dès le début du match a trompé David De Gea. Puis après la demi-heure de jeu, c'est Victor Lindelof qui a bien failli piéger lui aussi son propre gardien de but. Heureusement pour les Red Devils, David De Gea a trouvé le bon réflexe pour protéger sa cage. Les hommes de Ole Gunnar Solskjaer n'ont jamais mis leur voisin en danger. Et c'est peu de le dire, sur l'ensemble de cette rencontre, les Red Devils n'ont touché que 4 ballons dans la surface adverse, le néant. Il s'agit du total le plus bas jamais enregistré par une équipe de Manchester United en Premier League. 27, c'est le nombre de ballons touchés par David De Gea qui n'a pourtant pas franchement eu l'occasion de prendre part à la construction du jeu. 27, c'est aussi le nombre de ballons touchés par Cristiano Ronaldo. Plus surprenant, et cela démontre à quel point le Portugais s'est retrouvé bien seul en attaque. Mason Greenwood, lui aussi, allié aux avant-postes, n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent avec 29 ballons touchés. Manchester United n'a rien pu faire face à la domination des hommes de Pep Guardiola. La preuve, les locaux n'ont réussi que 322 passes en 90 minutes. À titre de comparaison, les Red Devils avaient cumulé plus de transitions lors de l'humiliation subie à Old Trafford face à Liverpool il y a 2 semaines avec 334 passes réussies. Les Citizens, eux, ont cumulé 735 passes, plus en double. Manchester United a été littéralement écrasé par les Citizens. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et partager. Et sur ce, les gars, ciao.